tout dire, c'est le hasard. Mais je suis enchantée d'être là et d'avoir assisté à ce match qui était vraiment, vraiment fabuleux. Ce matin, il y avait l'Assemblée générale du comité régional. J'étais présente au comité régional et aussi au comité départemental. Et le président du comité régional m'a embringuée avec lui en me disant « je vais voir un match ». Et je n'ai pas pu résister, je suis venue aussi. Le basket, c'est ce que je disais tout à l'heure, le basket fauteuil est tout aussi intéressant que le basket valide. Et le suspense était vraiment haletant, comme dans les matchs valides. Je suis très très heureuse. Ça a été, enfin en tout cas pour la partie à laquelle j'ai assisté, ça a été vraiment des jeux fantastiques. En termes de résultats, en termes d'ambiance, en termes d'osmose et d'esprit d'équipe, c'était vraiment des jeux fantastiques. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a eu une cohésion, effectivement, comme une cohésion d'équipe. Et puis les entraîneurs, la direction sportive, la commission ski, les commissions ski, puisqu'il y en a deux, se sont vraiment penchés sur le problème du ski et de toutes les disciplines en général. En tout cas, ils ont été attentifs à ce que maintenant le sport devienne haut niveau, devienne aussi une réussite. France Télévisions est à nos côtés maintenant. Dans chaque fois qu'il y a des Jeux paralympiques, ça a commencé à Londres, Rio, et là maintenant Pyeongchang, ils sont là, ils font du direct. Enfin, moi, en tout cas, je les regardais en rentrant. Et comme les valides, on est médiatisé. Pas autant, c'est sûr, mais ça viendra. Et en tout cas, c'est quand même vraiment un joli coup que France Télévisions a fait. C'est vraiment chouette. Handisport a le vent en poupe, c'est vrai. Alors, on parle beaucoup du haut niveau parce que le haut niveau, c'est la vitrine. C'est la vitrine qui est médiatisée. Mais il faut savoir que derrière, il n'y a pas que du haut niveau. J'essaye de faire comprendre aussi que maintenant, enfin, pas maintenant, le handisport, c'est aussi du sport de loisirs, c'est du sport de santé, c'est du sport de bien-être. Le handisport s'adresse à tous les publics. Qu'il soit sportif convaincu ou sportif débutant ou sportif loisir.